Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne, les amis, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce week-end. Donc ce n'est pas la quotidienne, c'est le week-end. Tirage du 12-13 décembre 2020. Donc j'espère que vous êtes en forme, bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat. Petit disclaimer, comme tous les jours, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, de garder votre libre arbitre, votre bon discernement et de prendre uniquement ce qui résonne avec vous, les amis. On démarre avec notre message de lumière et le petit oracle des anges. Alors, week-end du 12-13 décembre. Succès. Et la foi. Ah. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as. Je recours. Replay. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. J'ai l'impression que ma caméra, elle est de travers un peu, mais bon. La foi, la foi, la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Good, good. Ensuite, ouais, ma caméra, elle est complètement décalée par rapport à l'habitude, mais bon, c'est pas grave. Géométrie sacrée, on vous appelle les cartes. Alors, on y va, géométrie sacrée. J'ai l'impression que mes fenêtres sont ouvertes alors que pas du tout. Il fait beau aujourd'hui. Enfin, un peu. Géométrie sacrée. Nous sommes sur la transition et le changement. Donc, autant vous dire que ce sera pas pareil, ce sera pas comme avant. Transition, la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus. Et permettent à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Et la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité. Avec la nature perpétuellement changeante de la réalité. Je répète, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Je trouve ce message intéressant, il a une double lecture. Poursuivons avec les cartes de la sagesse des royaumes cachés. Hello, hello les cartes. Du 12-13 décembre 2020. Le prince Faucon et le garçon au chameau. Ok. Garçon au chameau, c'est savoir aussi prendre des moments avec vos enfants ici. Il est question de jeu, hein, avec la danse spirale et le garçon au chameau. Il est question de jeu, d'espièglerie, de bon fou rire. Ok. Pour le reste de projet, on vous dit petit à petit. Donc peut-être ce week-end, ça va être le moment de faire une pause, un gros lâcher prise. Parce que de toute façon, vous avez des énergies qui sont en transition, qui apporte du changement, qui vous amène vers du succès, qui vous demande d'avoir la foi. Donc, il y a une prise de hauteur, alléger l'esprit, prêtez attention aux personnes qui sont autour de vous, être un petit peu dans les plaisirs de la vie, j'ai envie de vous dire ici. Des communications, des réflexions, vous en avez, elles sont ce qu'elles sont, ok? Parfois, vous vous sentez porté, guidé. Vous avez des messages et parfois ben, c'est vous qui allez porter le message. Ok? Donc à voir, à voir. On y va avec le tarot. Aujourd'hui j'ai l'Arcanum Tarot. J'ai Piwi qui joue et Pifly qui joue le. Je ne sais pas. Il fait le gardien de l'arbre à chat et il vient moins sur les guidances cette semaine. Alors, 12-13 décembre.
Mais ont dû retourner la suite des événements changeantes. Hein. As de coupe, roi de bâton. Okay. Donc ici, c'est le cœur grand ouvert. Le cœur grand ouvert. Ouais. Alors, c'est votre envie de faire plaisir. Comme je vous le disais, hein, avec un cavalier de bâton, ça peut être de la joie, des jeux, des activités dehors, le fait de bouger physiquement comme ça, de vous dégourdir. Et avec l'as de coupe, c'est l'envie de faire plaisir, l'envie de se faire plaisir, l'envie de faire plaisir aux autres, mais c'est une énergie d'amour, de grand amour. Ça peut être aussi le fait de réouvrir son cœur. Ça peut être le fait de faire une nouvelle rencontre ou d'être sur avec une énergie de transition, de changement, de revoir vos amours, votre situation sentimentale, le fait de regarder votre partenaire, par exemple, si vous êtes en couple. De nouveau avec les yeux de l'amour ou quelque chose comme ça. Vous avez le contrôle avec le roi de bâton sur une situation, vous êtes dans une maîtrise et vous êtes dans de l'action, donc il y a aussi le besoin de lâcher prise ici, hein, parce que le succès est pas loin, mais il faut savoir aussi relâcher la pression quand on a fourni énormément d'énergie, qu'on a fourni énormément de travail. Il y a aussi ce moment de ne pas s'épuiser, vous voyez. Trois de coupe, ah, à nouveau le besoin, six de coupe et la roue de fortune, ça, besoin de vous aérer, besoin de changer d'air ici. Hein. Et puis on est sur de la coupe, hein. On se fait plaisir, hein. Toujours avec les enfants, l'esprit espiègle, envie de se faire des bons repas, de retrouver des personnes, c'est une carte d'espièglerie, de célébration, trois de coupe, d'amitié aussi, de voir du monde comme ça. Ça peut être des amis d'enfance ou le fait de revoir des personnes du passé, hein, de reprendre contact aussi, pourquoi pas. Challenge l'ermite, c'est justement le fait d'être dans sa grotte, de ne pas sortir, de préférer être cérébral, réfléchir, parce que bien sûr, vous avez le prince faucon, donc ça cogite quand même dans la tête. Okay? La force, reine de bâton. Et l'issue, c'est la force. Bon. Donc. Le bâton ici, la reine de bâton, c'est presque en force en plus, hein, une confirmation que vous n'avez pas à douter de vous, de votre talent et de votre capacité à attirer à vous ce pourquoi vous travaillez. Ouais. Il y a une belle énergie de maîtrise et de feu ici qui vous rend assurément rayonnant, rayonnante ou talentueuse, talentueux. C'est plus vous avez confiance en vous, plus c'est sûr, enfin que, enfin il n'y a pas à douter de vous là. Okay, donc si vous réfléchissez à un tournant dans votre vie, un changement de carrière ou comme ça, on vous dit que vous avez toutes les aptitudes qu'il ne faut pas hésiter à vous montrer, qu'il ne faut pas hésiter à faire les choses par vous-même aussi. C'est une carte d'indépendance. Donc, vous maîtrisez la situation ici, on me dit. Est-ce qu'on voit tout à peu près? Ouais. Je vais remonter quand même un peu. Oui, c'est mieux. Alors, on va recourir. Légèrement. J'ai trois arcanes majeures quand même, hein. Plus l'as de coupe. Tournez la page du passé aussi pour certains. C'est le fait de respirer ici vraiment avec un 3 de coupe, de se dire waouh. Comme disait le chemin parcouru là, c'était ouf. Oui, c'est ça, c'est le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Ça, c'est l'ermite. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, intéressant. Poursuivez votre voyage ici. Qu'est-ce qu'on recouvre? Allez, le 3 de coupe. Ouais, c'est sortir de l'ennui ici. C'est rigolo parce que je vous vois plus dans une énergie, on vous appelle, on vous propose quelque chose et vous dites non. Enfin, vous hésitez, mais vous n'êtes pas trop partant comme ça. Et on voit des personnes ici qui vous poussent à dire, allez, allez, on sort, on fait quelque chose ou comme ça. On va pas s'apitoyer sur notre sort, on va pas se lamenter. On fait quelque chose. Il y a l'envie de faire quelque chose ici, de se réunir avec des personnes comme ça. Pour certains d'entre vous, c'est le besoin de voir des amis ou de faire quelque chose avec des amis parce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un sentimentalement. Donc là, vous avez des amis qui vous poussent à vous dire.
Tu vas pas rester dans l'attente et à rien faire, sinon tu vas rien faire de ton week-end. Alors viens avec nous, fais ce truc avec nous et tu vas voir, on va s'aérer, on va se faire plaisir, on va rigoler et on a tous besoin de ça un peu. Étoile, arcane sans nom et justice. C'est vraiment le moment de tourner une page hein, concernant le passé. Et ça va concerner peut-être vos rêves d'enfant ou peut-être le fait que vous sentez que c'est le moment avec l'étoile. Vous sentez que c'est le moment de prendre un chemin ici, de prendre une nouvelle direction, de faire peut-être des choix. Et ce qu'on voit ici, c'est que presque vous faites un bilan ce week-end avec l'arcane sans nom et la justice. C'est où en êtes-vous aujourd'hui? Quelle est votre vérité? En quoi vous croyez? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser encore? C'est parfois la fin d'un rêve pour un nouveau, vous voyez? Et la transition n'est pas toujours évidente. Parce qu'on a eu un rêve pendant des années sur lequel on a travaillé, et puis en fait on a envie de passer à autre chose, mais on s'est tellement identifié à ce rêve, et comme ça, quand je dis un rêve, ça peut être une activité, ça peut être tout et n'importe quoi, mais on s'est tellement attaché à ça et identifié à ça que passer à autre chose, c'est pas toujours évident. Donc ça demande. Ouais, il y a une petite réflexion ici pour se dire est-ce que je me sens prêt ou prête à passer à une autre étape? À prendre une décision qui est assez importante ici, j'ai envie de vous dire, avec l'arcane sans nom et la justice, c'est vraiment mettre un terme de manière claire et définitive pour entamer un nouveau cycle. Ça peut être quelque chose qui se règle hein, toujours vis-à-vis des enfants. Il y a quelque chose qui va être célébré. Hein. Moi, je vois une volonté pour certains d'entre vous de se donner une direction et de se poser des questions pour vraiment ouais, le bien-être des enfants, pour certains d'entre vous qui êtes parents et qui voulez a priori faire une proposition de style de vie ou d'activité ou comme ça, on va pouvoir se réjouir. Je peux vous voir l'envie de travailler à mettre quelque chose en place, on vous voit planter une graine, on vous voit curieux, vous intéresser à des sujets, à des activités comme ça, enfin, le valet de denier, c'est un petit peu la personne étudiante, la personne qui aime apprendre, qui aime la zone d'apprentissage, vous voyez. Et là, c'est un petit peu, tiens, j'ai ce domaine qui m'intéresse, j'ai envie de me pencher dessus, de lire, de regarder des vidéos, des choses comme ça. Et pourquoi pas mettre un projet en place derrière pour en faire une activité. Donc, on ne sait pas encore si ça va rapporter de l'argent, on ne sait pas trop où ça va mener, mais on sent qu'il y a un truc qui se trame ici, ok? Ou ça peut être vraiment l'envie de repartir sur de nouvelles bases dans la vie avec le 4 de bâton, de travailler un projet pour du long terme ici, mais c'est un autre choix de vie. C'est vraiment un autre choix de vie ici. C'est peut-être une question de finance, mais il y a quelque chose qui se trame. On voit que pour certains d'entre vous, il y a envie d'autre chose. Pour d'autres, ça va être l'envie de mettre peut-être fin sentimentalement à une relation de flirt, une relation légère et passer à l'étape suivante. Vous voyez? Pourquoi pas s'engager? Pourquoi pas envisager un avenir à deux, habiter ensemble ou... Et donc, ça va engager les fondations aussi. Les fondations. C'est-à-dire, on vit une histoire de manière légère, on se fait plaisir, c'est très agréable. Et puis, il y a peut-être un moment où quelqu'un a envie d'amener la discussion à c'est quoi le projet, sur quoi on part, c'est quoi, vous voyez, trouver les choses communes ici. Alors, l'ermite, oups, ben il y en a quatre du coup. Ouais, on voit que vous réfléchissez à un autre succès professionnel, même, j'ai envie de vous dire, ou un style de vie professionnel qui fait que vous vous sentez bien, que ça vous prend pas trop la tête, que vous avez du temps pour vous ici, que voilà, vous gérez tout, les finances et comme ça, mais vous avez un sentiment d'indépendance avec la reine de bâton, vous avez du temps en plus pour faire d'autres trucs à vous, comme ça. Je vois certains d'entre vous qui ont été super, qui ont rencontré beaucoup de succès ou qui sont épanouis dans une activité précédemment,
Mais il y a un truc, peut-être la situation depuis un an, l'actualité ou comme ça, qui fait que vous vous posez de sérieuses questions, à savoir, effectivement, est-ce que vous n'êtes pas arrivé au bout de ce chemin-là? Il y a une notion de reconnaissance, d'être mis en lumière, d'avoir le regard porté sur vous, où on voit que vous êtes à un autre stade de votre vie, que vous avez la confiance que vous vous êtes réalisé dans ça et que peut-être vous regardez ailleurs, peut-être vous commencez à vous ouvrir à autre chose. Alors, c'est pas précipité, hein. C'est là, mais c'est latent. Mais vraiment, avec l'empereur et la reine de bâton, ici, c'est... Ouais, je sens une question de revenus et d'indépendance et de liberté de temps aussi. Ok. Oh là là, les amours, ça va, hein. Les amours, ça va très très bien. C'est peut-être votre envie de faire une proposition ici qui amène justement ce changement, qui amène à ouvrir un nouveau monde. Je pense, pour certains d'entre vous, vous avez fait le tour d'un cycle, tout simplement, que ce soit professionnel ou sentimental. On voit vraiment que vous avez envie de passer à autre chose. Il y a un truc qui fait que il y a un 2 de coupe. Je vois quelqu'un autour de vous qui vous inspire ou qui vous donne des idées de projets à deux. Peut-être un partenariat professionnel, peut-être quelqu'un qui... Pas quelqu'un qui revient, mais une proposition neuve avec un valet de coupe. C'est toujours les cœurs très ouverts, hein. Toujours les cœurs très ouverts. On va voir. J'en vois certains en fait qui réfléchissent ici hein, à s'engager peut-être sentimentalement ou vous voyez avancer avec quelqu'un à deux ou peut-être aussi à recomposer une famille ou comme ça. Mais la question du coup, ça va être de se sentir capable d'assumer des revenus, d'assumer des choix de vie qui vous demandent. Du changement, une transition, de vous adapter, mais aussi d'assurer en fait. D'assurer, de... On va voir. Je vais regarder la force, le magicien, le 5 de bâton et le 2 de bâton. Ouais, et le 3 de denier. C'est des discussions, des conciliations autour du professionnel et du matériel. Il y a quelque chose qui a été réalisé, où on s'en accomplit, hein. Il n'y a pas de... Mais c'est juste plus une prise de tête avec l'ermite et le 10 d'épée. Où on se dit, je suis pas sûre d'avoir envie de retourner là-dedans. C'est bon, ça je l'ai fait, c'est top. Maintenant, de quoi je pourrais avoir envie d'autre? Donc, ça peut faire qu'il y a beaucoup d'idées qui fusent comme ça. D'où le 5 de bâton et le 2 de bâton. Il y a beaucoup de possibilités finalement professionnelles pour certains d'entre vous. Il y a plein d'envies. Selon vos passions, vos hobbies ou comme ça, vous dites, ah, ça, si je m'y intéressais plus, si je me formais davantage ou comme ça, je pourrais envisager de me diriger dans cette direction-là ou comme ça. Puis après, on se met des bâtons dans les roues, on s'empêche de ou comme ça. Ou bien vous cherchez l'harmonie ici avec un partenaire d'affaires pour trouver l'accord, hein, pour démarrer le projet. Ce que vous manifestez en tout cas, c'est l'envie que ça bouge, l'envie d'action, l'envie de dynamisme, l'envie de créer, l'envie de... Physiquement, je vous vois l'envie de bouger, hein. D'être dynamique, hein. Je vois là la personne enfermée chez elle qui fait pas grand-chose, si ce n'est comme la window, hein, regarder Google Maps pour voyager un peu à sa manière. Il y a de la magie dans l'air avec la force et le magicien. Il y a quelque chose de possible. Juste au niveau des nerfs, il y a une invitation à défoulez-vous, allez courir, faites de l'activité physique ou comme ça, plutôt que d'aller forcer des discussions comme ça qui pourraient amener des conflits. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait naturellement ici où il faut laisser couler finalement. Ok? Donc, je vais juste en rajouter une sur ça. Ouais. C'est beaucoup de possibilités, mais se positionner, faire un choix qui n'est pas évident.
Il y a une question de maturité, de sagesse, qui entre en compte ici. Voyons voir la conclusion. Valet de coupe à nouveau, hein. 9 d'épée et arcane sans nom et jugement. Ok? Donc clairement, c'est l'envie d'autre chose, c'est l'envie d'ailleurs. Et puis c'est surtout ce moment où beaucoup de prises de tête, peut-être par rapport à l'amour ou comme ça, et là on va changer de cycle. Fin de dispute, fin de... peut-être de solitude aussi, l'envie de vivre autre chose. Il y a des réconciliations en amour, hein. Si ce n'est pas des réconciliations, c'est des liens qui se renforcent. Hein. Il y a deux personnes ici qui se mettent à nu l'une à l'autre et qui repartent sur des bases nouvelles. Hein. On éclaircit une situation ici qui était confuse, hein. Très confuse. C'est le temps de la paix, c'est le temps du calme. Hein. Ouais. Il y a un nouveau départ possible, mais là pour l'instant c'est le changement. Pour ce week-end, c'est appréhender une situation changeante, remettre les choses à plat. On voit que il y a de belles possibilités, hein. Il y a de très très jolies possibilités. En tout cas, belle dynamique, belle vitalité, belle énergie. Physiquement. J'ai l'impression qu'il y a des conflits qui se résolvent comme par magie, vous voyez, sur le dernier truc là de la force. C'est pas force et 5 de bâton, ce sont des rapports de force. Et là, avec le magicien et le 2 de bâton, ça nous dit arrêtons ça et remettons de la magie, remettons de la magie dans tout ça, remettons de la beauté dans tout ça. Petit Lenormand. Ah, je me suis lâchée sur la vidéo. On a les nuages et le bouquet. Donc, c'est à nouveau une éclaircie et un joli cadeau qu'on se fait. Une jolie invitation, un plaisir de vivre. Plaisir d'offrir, plaisir de recevoir. Une nouvelle qui arrive peut-être. C'est chouette. Allons-y. Les poissons, le chien, le jardin. Donc c'est toujours du monde, des personnes autour de vous. Les poissons, c'est une carte de réussite là avec le travail. Il y a quelque chose, il y a des discussions qui en tout cas vous montrent une direction possible. Qui vous montrent une direction possible, clairement. La clé, la maison, les cigognes et les souris. Ok. Alors, communication avec des amis à distance ici. Qui sont bénéfiques, qui sont assez bénéfiques. On a des projets là, professionnels, hein. Il y a des ou même personnels, hein, d'un point de vue lieu de vie. Besoin de vous aérer à nouveau. Hein. Cigogne et jardin, on a besoin d'être dehors, on a besoin de respirer. Évacuer le stress ici. Je vous vois beaucoup évacuer le stress plutôt que d'être enfermé dehors, enfermé à l'intérieur, on est dehors pour faire évacuer le stress comme ça. J'ai des rencontres, des échanges ici avec des personnes qui vous permettent d'y voir plus clair sur une situation financière. Équilibrer un aspect financier ici. J'ai des discussions autour de voyages, de déplacements, de déménagements qui sont là. Une femme qui a envie d'ailleurs, qui a envie de s'épanouir, qui a envie de rayonner, qui a peut-être l'envie de... Une maman ou quelqu'un qui... Une femme qui a envie de devenir maman. Ou un homme qui a envie d'évoquer avec sa partenaire son envie de fonder un foyer. Mais c'est une nouvelle, les cigognes. En général, ça apporte la bonne nouvelle. Donc moi, je peux voir ici quelqu'un qui... Ouais. Qui se sent confiant ou confiante à l'idée d'avancer sur un projet de ce style-là. Soit un nouveau lieu de vie, soit l'idée
d'avoir des enfants ou bien d'avoir la discussion, vous voyez la personne absolument rayonnante ou comme ça. Voyons voir, le renard, il se méfie, il est prudent. C'est les nouveaux projets, ces nouvelles directions peut-être professionnelles. Envisager une nouvelle manière de faire, ouais. Oh, je vous vois étudier ce week-end aussi. Je vous vois étudier par rapport. Ouais. Il y a des papiers à régler ici. Faut vraiment le faire, hein. Faut vraiment le faire, ça, pour pouvoir aller sur quelque chose de neuf. Tant que c'est pas fait, c'est du stress, c'est de l'inquiétude qui n'est pas nécessaire parce que vous pouvez les régler, ces papiers. Alors, si vous avez peut-être un courrier dans la boîte aux lettres qui arrive, ou peut-être vous avez des démarches à faire ici pour régler une situation, ça vous soulagera, ça vous libérera. OK? Ouais. Des discussions sages. Alors, la croix, en général, hein, sur le petit Lenormand, elle va nous indiquer une fin de cycle, elle va nous indiquer un fardeau, un poids que l'on porte depuis longtemps, qui est lourd et qui est douloureux. Vous voyez? Donc, dans ce jeu-là, on va plutôt se pencher sur le symbolisme de la croix, la foi, parce que nous avons la foi. Hein. Et regardez ce qui suit derrière, c'est la sagesse. Donc, moi, je vois plus ces énergies de prise de hauteur sur des situations. Vous voulez que je vous relise la foi? Ne perds pas la foi, les nuages. On l'avait à la coupe, les nuages. Vont bientôt s'éclaircir. Donc, on a vu que les nuages, l'orage passait et que les nuages s'éclairent. Laisser place au soleil, donc le soleil va briller de nouveau. Le soleil est là, donc on voit bien qu'il y a des discussions ici qui sont libératrices et qui vous donnent confiance pour la suite des événements. Vous sentez que vous êtes confiant ou confiante. Donc là, par exemple, si les questions de projet, de couple ou de famille, vous êtes rassuré sur la nature de vos liens, sur la question de confiance. C'est positif, le stress. Voilà, c'est super. Voilà, on va arrêter là. Je vous vois. C'est apprendre des choses, vous ouvrir à de nouveaux sujets. On le voit, on le sent. Hein. Il y a les livres, il y a la lettre, il y a des choses à régler. Il y a de nouveaux univers qui vont vous inspirer, qui vont vous donner envie de vous pencher sur une question. C'est peut-être le faire de manière ludique aussi en famille ce week-end. Peut-être, je ne sais pas, moi, vous aimez la pierre, vous allez vous rendre dans un village un petit peu pittoresque comme ça, et ça fait le truc qui convient à tout le monde. Enfin bref, il y a un truc avec les papiers, les livres, s'intéresser à, s'ouvrir à avec le jardin. Hein, il y a peut-être des rencontres, des contacts qui se font avec des personnes qui aiment les mêmes choses que vous. Un bel équilibre hein, dans votre foyer. Et comme je vous le disais, le fait de vous aérer, de ne pas hésiter à vous aérer, à avoir des discussions légères, à être dans le plaisir, et ça vous libère du stress. Donc, oui. Un bon week-end en perspective ici. On passe au 77. Ouais, c'est chouette là, ça fait belles énergies. Je le sens, hein, que c'est léger, j'ai pas de. C'est l'amour. C'est l'amour. Ouais, c'est agréable, c'est léger. Je le sens. On a la gestation et la maison. C'est le projet qu'on prépare, vous voyez. Un projet retardé, mais à nouveau, on peut pas dire autre chose. Hein. Plus vous, c'est fou, hein. Ça arrive, c'est célébré, c'est joyeux, c'est heureux, c'est constructif, c'est positif. Ça arrive vite avec la lune. C'est, je vous sens heureux, heureuse là, d'ouvrir la discussion, de vous ouvrir à quelque chose qui vous rend absolument rayonnant ou rayonnante. Ça vous apporte un bien-être, un équilibre. Donc, à nouveau, hein, bien évidemment, on peut avoir ce truc de fonder un foyer, fonder une famille ou comme ça qui est là. Ou bien c'est tout simplement un projet que vous avez vraiment envie de mettre en place, mais c'est pas tant de l'empressement ou bien qu'on a eu le 5 de bâton et le 2 de bâton, mais c'est plus vous y pensez, plus vous sentez que c'est ça, quoi. C'est ça, c'est pas autre chose. On a la bougie, hein.
L'espoir, le rêve, l'envie et la solution. C'est les prières, c'est la foi à nouveau. Hein. On a le carrefour et le point d'exclamation, c'est l'évidence. Quand vous avez foi, que vous sentez là, il y a un truc qui votre cœur qui bat, des étoiles dans les yeux, vous rayonnez, bah, il n'y a pas à se poser la question 10 milliards de fois. Hein. C'est la vague d'abondance, la vague de plaisir, la vague de bonheur, c'est protégé, c'est sacré. Ça, à nouveau, l'envie de prendre une nouvelle route qui donne du sens, qui vous fait vous sentir vraiment bien avec l'arbre. Ça vous fait vous sentir vraiment bien, c'est... C'est à nouveau peut-être la famille, c'est votre chemin parcouru aussi, hein, c'est là d'où vous venez, là où vous allez. C'est les liens que vous tissez au fur et à mesure du chemin, les choix de vie, les personnes qui vous suivent, celles qui quittent votre route comme ça, mais c'est beau quand même ce tirage-là. Il y a les envies, l'envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle route, on en parle à nouveau, on échange là-dessus, et c'est productif, c'est une réussite ici, financière, matérielle, c'est une possibilité, une capacité qui vous arrive dessus pour vous permettre d'avancer sur un projet. Il y a une dynamique là-dessus. Donc, intéressant, hein, il n'y a pas... C'est protégé. C'est protégé, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je recouvre, là? C'est assez éloquent. Je vais recouvrir l'envie, tiens. L'envie de marginalité, de plaisir, de simplicité, de joie, de fête, de faire la fête. Ça peut vraiment être une annonce, hein. Après une période qui était bloquée, on passe à autre chose vraiment. Hein. C'est un changement qui vous appelle ici. De changer de peau, c'est même pas de changer de peau, c'est de changer de manteau. Changer de cap. Là, vous changez de cap. Hein? Ça, c'est pas mal avec cette carte-là. On l'entend pas souvent, mais ouais. Changer de cap. C'est la cape du magicien qu'on a vu. Changer de tour de magie, c'est changer de cap, changer de direction. Transformation. Bon. Bah c'est... Je vais arrêter là. C'est un triomphe, c'est ça, c'est ça. Il y a plus... Enfin, quand c'est évident, c'est évident. Vous savez. Vous savez... vous savez que vous... Ce choix-là, cette évidence ou comme ça, c'est ça votre bonheur, c'est ça votre réussite. Là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, cette nouvelle route, cette nouvelle proposition, c'est ce prochain cap dans lequel vous allez être heureux, réussir ou comme ça. Alors on parle du passé. On parle du passé, on les a ces discussions pour faire le bilan. On écoute de quoi on a envie. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est dans le passé, je me suis fait plaisir, j'ai vécu pour moi. Vous voyez, l'isolement ici, c'est je me suis fait plaisir, je me suis réalisée, je l'ai fait pour moi parce que j'avais besoin d'être moi, de me découvrir moi ou comme ça. Et après, il y a peut-être l'envie de aussi vouloir le bonheur d'autres personnes, pas plus que le vôtre, mais de créer une harmonie, un bonheur de vivre ou comme ça. Ok? Donc, c'est bien. C'est fait avec le cœur et ça va vous permettre d'avancer. J'en vois certains qui ont eu besoin de prendre de la hauteur. Hein, il y a eu ce temps-là d'isolement. Peut-être le confinement, enfin toute cette année qui professionnellement a été compliquée. Et... ça vous a plongé dans le noir, ça vous a mis dans une confusion, mais c'est ce qui amène en fait finalement votre changement de cap, hein, vraiment une nouvelle direction. Ça me va, c'est beau, c'est un chouette week-end en perspective. Puis oui, quand on les voisins, bah oui, et de l'amour. Hein. Je vous sens vous libérer, hein. Je vous sens vous libérer d'une tension, d'un stress, d'un blocage. Un pitchoun. Toi, au moins, tu viens dire bonjour. Hein. Puis Fly, il nous abandonne. L'amour, les amis, c'est ouf. Hein. C'est pas de la manipulation, c'est un lâcher-prise total ici. Hein. Ben, j'ai hâte de faire la sentimentale. Hein. Oui. Je
Je pense que la sentimentale, elle va être belle pour ce week-end. Alors, porte de l'intuition, la disponibilité, la parole, le triomphe et la fin d'un cycle, la fin du passé. Assurément, c'est le moment. C'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose que vous décidez. Regardez ça, chance et abondance. C'est pour ça que vous le sentez, il y a un truc, il y a un truc ici. C'est la disponibilité, la parole et le triomphe. La disponibilité, c'est rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Je pense qu'on a bien reçu le message. On vous dit également, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Hein. Les mots, les discussions, c'est... Vous exprimez ce dont vous avez envie, ce que vous désirez, vous... Et vous donnez la possibilité de rayonner, de briller. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, l'avenir est devant vous. L'avenir est devant vous. Et il y a plein de... c'est super ici, apprentissage, nouvelle page, renaissance, amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est plein de choses qui se mêlent ici. C'est l'envie d'apprendre autre chose. C'est l'envie de vous lancer dans autre chose. C'est l'envie d'être bien entouré. C'est d'avoir des buts communs, de travailler dessus, de... Bien, magnifique. Voilà les amis pour le tirage des énergies de ce week-end. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Moi, je vous dis un grand merci à tous pour votre soutien. Merci de liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Ça fait chaud au cœur, donc merci, merci, merci. Paix et amour chez vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao tout le monde, bye bye.